Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando. Alors pour ce second reportage de notre volet thématique consacré aux gorges de l'Ardèche, je me trouve précisément sur le bord de la route touristique de ces gorges, au départ du sentier menant au bivouac de Gaux. L'occasion pour moi de m'intéresser au petit patrimoine bâti de la réserve, mais également de poursuivre ma découverte du milieu naturel ardéchois. La boucle compte 4,5 km. Il est donc possible de la réaliser en une petite demi-journée. Depuis mon dernier passage dans les gorges, le printemps semble avoir pris son essor pour de bon. Malgré un ciel blafard, le vert caractéristique de cette saison colore les versants des gorges, à l'image des feuillages tout neufs, des forêts de chênes blancs. Alors l'itinéraire commence et se termine par l'emprunt de la longue piste carrossable qui permet aux agents du syndicat d'aller et venir de la route jusqu'au bivouac. Au passage de la Clède, ancien parc à bétail utilisé principalement pour les brebis, le vent se met à souffler plus violemment, tandis que la vue s'ouvre sur une partie des gorges. Un endroit propice pour le placement d'un poteau de contemplation. Alors j'arrive ici sur le point de contemplation de l'itinéraire du sentier de Gaux. Alors c'est quoi ces points de contemplation? En fait c'est une super idée, vous en avez un sur chacun des 10 itinéraires décrits dans le topo guide édité par le syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche. Et en fait, vous dépliez votre petit feuillet et vous avez ici une aquarelle qui représente le paysage que vous contemplez à une époque différente de la nôtre. Voilà, accompagné d'un petit texte explicatif. Ici notamment pour le sentier de Gaux, c'est le paysage vu par les naturalistes. Il est possible de distinguer dans le paysage 5 grands milieux naturels. Les falaises calcaires, qui atteignent parfois jusqu'à 300 mètres, les abords de la rivière, la forêt de chênes verts, la garrigue et les milieux souterrains. L'Ardèche coule sur 120 km. Les gorges n'en constituent qu'une petite partie, puisqu'elles s'étirent sur une trentaine de kilomètres entre Vallon de Pont d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche. Si vous avez l'occasion de quitter la route, de quitter la piste carrossable juste avant d'arriver dans les bois pour vous faufiler sur ce petit belvédère, c'est absolument grandiose. Vous avez un énorme lacet de l'Ardèche qui passe juste en dessous de vos pieds. Hein. C'est spectaculaire. Alors voilà l'embranchement de chênes blancs. Donc c'est à cet endroit qu'il va falloir quitter la piste pour plonger directement dans le sous-bois. À partir de ce point, la vue sur l'Ardèche s'efface. Me voici plongé au cœur de la forêt de chênes qui tapisse ce versant des gorges. Alors puisque je me trouve ici au cœur d'une chênaie, c'est le moment peut-être de rappeler la différence entre le chêne vert et le chêne blanc, à la manière dont je l'avais fait la semaine dernière, rappelez-vous, avec les genévriers. Alors le chêne blanc, on en a un ici, il est facilement identifiable avec sa feuille crénelée, légèrement plus claire en dessous, et qu'on appelle également le chêne pubescent. Alors, le chêne vert, lui par contre, on en a un ici, sa feuille, elle est beaucoup plus dentelée, légèrement piquante sur les extrémités, on pourrait presque la confondre avec la feuille du houx. Une autre manière également de les différencier, c'est que notre chêne blanc, par rapport au chêne vert, lui, va perdre ses feuilles en hiver, tandis que l'autre, pas du tout. Au détour du sentier, je rencontre également une plante assez fameuse, la salse pareille, particulièrement appréciée des schtroumpfs. Cette plante vivace possède des feuilles en forme de cœur ou de pique, et pousse sous forme de lianes entremêlées, pouvant atteindre près de 3 mètres. Attention aux petites épines qui poussent sur les bords et sur le dessous de la feuille. Alors avant de vous diriger vers le bivouac de gauche, je vous recommande fortement d'emprunter le petit sentier découverte qui est très bien fait et qui est jalonné de petits panneaux, de petites pancartes explicatives qui vous permettront de découvrir plein de choses fort intéressantes sur la faune et la flore. Chaque poste se présente sous la forme d'une question qui trouve sa réponse en soulevant le panneau en bois. Un procédé ludique pour les curieux de nature qui y découvriront aussi parfois quelques invités surprises. Voilà, en levant la tête, cherchant dans les hautes branches des arbres, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un des très beaux spécimens de reptiles des gorges de l'Ardèche. Je veux bien sûr parler de la couleuvre d'Esculape. Je découvre plus loin les restes d'une cabane de charbonnier. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette activité économique aujourd'hui disparue.
Alors on arrive ici à un endroit très important puisque sur ce panneau est expliqué ce qu'étaient les charbonnières. Il faut savoir que la production du charbon de bois dans les gorges de l'Ardèche a représenté une activité économique très importante du XIVe siècle jusqu'à la fin environ de la Seconde Guerre mondiale. Ce charbon de bois, il était utilisé bien sûr pour l'usage domestique mais également par de nombreuses industries locales. Alors comment ça fonctionnait? D'abord la construction, ça c'est quoi une charbonnière? En fait tout était fait en bois, il fallait à peu près 10 à 20 tonnes de bois. L'idée générale était autour d'une cheminée d'enrouler une meule de plusieurs morceaux de bois, c'était assez gros. Ensuite on recouvrait le tout de branchages et de terre et ça formait la charbonnière. Alors on y mettait le feu et là les hommes n'allaient pas dormir pendant plusieurs jours parce que ce feu était très difficile à lancer, il fallait souvent l'entretenir pour qu'il prenne bien et il fallait environ une semaine pour consumer l'ensemble de la charbonnière. À partir de ce moment-là, on pouvait récolter le charbon de bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 5 kg de bois, on avait de fourni 1 kg de charbon. Donc vous voyez le travail que ça représentait. Alors à ce moment-là, on le ramassait, ce charbon de bois. Il fallait le charger soit à dos d'homme, soit à dos de mule, soit l'on transportait en barque pour le livrer à destination des personnes qui en avaient besoin. Je reprends ma route vers le bivouac de Gaux. Parmi les chênes et les rares érables de Montpellier, je découvre d'autres vestiges d'implantation humaine. Les ruines d'anciens murets qui représentent les dernières traces d'exploitation agricole et sylvicole du domaine de Gaux. Aujourd'hui, l'homme intervient toujours sur le site, mais d'une toute autre façon. Alors ce que j'ai ici derrière moi, derrière cette clôture, ce sont des dunes, et oui, ce sont des dunes continentales, les dunes de Gaux, qui sont sous surveillance, qui sont un espace protégé parce qu'elles abritent en fait ici des espèces végétales rares. Donc on essaye de limiter le passage des humains, on essaye de limiter l'érosion, on surveille la progression des espèces végétales un petit peu invasives qui pourraient perturber la croissance de ces plantes rares. Et c'est pour cela que vous pourrez contempler ces dunes que derrière cette clôture. Autour de moi, la forêt recule et la végétation s'espace. Le bruit de la rivière n'est maintenant plus très loin. Me voici parvenu dans le fond des gorges. Alors j'arrive ici au bivouac de Gaux, encore un bel espace que vous trouverez sur votre route, si vous êtes bien sûr randonneur, mais si vous descendez également l'Ardèche en canoë, c'est un des endroits avec le bivouac de Gournier que vous visiterez probablement et où vous arrêterez. Il est quand même largement recommandé de réserver votre place au bivouac auprès du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche. Traverser les gorges de l'Ardèche en canoë ou à pied occupe 2 jours. 2 zones de bivouac sont implantées sur le parcours. Celle de Gournier, décrite dans le précédent carnet de rando, et celle de Gaux. Une manière de rappeler que nous nous trouvons dans une réserve naturelle et que la réglementation interdit formellement le bivouac sauvage. Pour ma part, pas de bivouac ce soir. Je retrouve le balisage à la sortie de l'aire de Gaux et n'ai plus qu'à remonter à travers la forêt pour boucler ma balade sur le sentier découverte. Voilà, alors à cet endroit, vous arrivez à la bifurcation qu'on a trouvée tout à l'heure qui permet de faire le tour du sentier découverte. Donc à partir d'ici, vous reprenez exactement le même chemin qu'à l'aller pour retourner au parking. Et il va falloir, pour retrouver le point de départ, faire le même chemin qu'à l'aller et donc se coltiner une montée assez raide jusqu'à la route des gorges. Donc ce sera ici que se termine ce reportage et l'émission Carnet de rando. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel itinéraire. D'ici là, excellente soirée à tous, très bonne rando et à bientôt.